Le seul souffle, je suis un perso où j'ai vraiment beaucoup de feeling dessus. Là pour le moment on apprend le jeu et après on trouve un champ où on est bien. Quelqu'un des astuces pour trouver un appart rapidement? Avoir un garant ou de fou, ou avoir un salaire de fou. Au choix, les deux fonctionnent. Peut-être Wars de Rebuild Collector maintenant. Ah oui, attends, faut que je fasse un truc sur Spotify. Dans les paramètres de Spotify. Préférences. Mais j'ai tout pour éviter les freezes. Une VD pas, s'il vous plaît. Activez l'accélération matérielle. Désactive l'accélération matérielle. La coupe des étoiles sera sur ta chaîne ou sur Solari? Ce sera sur la chaîne là. Tu vas te déplacer dans la nouvelle zone Call of Dragon Wax? Je pense pas, Kumiko, je pense que je vais style là. La coupe des étoiles, ce sera ici, la team. En gros, on fait un live un peu particulier parce que. Vu qu'on a lopé. On a lopé Supervive, on a parlé un petit peu, mais. En fait, on. C'était complexe. C'était soit, en gros. Soit je casse la coupe des étoiles et du coup, je pouvais pas trop faire loper dans un bon setup parce que bah je pouvais pas avoir du LOL avant. Je pouvais pas grinder un peu les viewers. Soit. Je castais pas et dans les deux cas, c'était pas fou et on était en mode autant que je la caste moi sur ma chaîne, c'est le mieux quand même, je pense. Donc voilà. Ah, petit Q-spell dans ta gueule à toi. MF c'est un bon champ je pense pour faire la première game de la journée. Ah j'aurais bien aimé que ça porte sur Kate. Strange celui-là. C'est probable qu'il nous tente un gank level 2. Ah le creep est parti loin. Ok, on a trouvé du bon poke. Non, ok. J'ai eu peur, il y a un casseur qui s'est retourné pour mettre une auto, j'aurais perdu ma move speed sur mon Z, ça m'a mis un petit peu le seum. J'ai pas de cleanse contre Léo. Le nombre de Q rebonds que je lui mets par contre. Nice, parti sur Kate. Ah, faut mieux que je glisse. J'aime bien avoir un stack d'Arc Harvest en fait. Elle est pas loin, les deux sont pas loin du seuil. Full stack, je suis deg. Une potion sur les deux. Ouais, rate un creep. Probablement War des Tribush, non? On va essayer de push dive, mais je pense qu'ils ont l'info. Vous avez pas l'info. La plate. We had great freeze. Ah whatever, oui whatever, c'est toi whatever. Fin.
Elle a pas flash, hein, Caitlyn. Retrace bot. Natalia top contre Xanté. Bon, ça reste pas mal quand même. On récupère 2 kills. Je perds quasi rien de la wave. Vache ça. On est très très bien en XP. Auto-le s'il te plaît. Ok, ça va, j'ai eu peur que le creepy fonce tout court. J'ai peur de Gragas, j'ai plus de flash. Ok, il est top. On peut jouer. Excellent Q ça. Ah, j'ai pas beaucoup de DPS. Un peu le problème de Broom, c'est que c'est un bon champ, mais. Genre, comment dire, il a pas vraiment de dégâts le perso, tu vois. Donc, pour tuer une Leona, c'est pas le plus évident. Je récolle. J'ai perdu une wave, c'est bien. J'ai x2 CS sur Kate. What the fuck? J'avais peur qu'il meure pas du dot. S'il avait son passif de up et qu'il faisait un spell, il se healait. Il y aura du super wave aujourd'hui? Ouais! Après la Coupe de France, donc vers 20h-21h. Pour l'idée. My dream, on les 2-0. Je verrai si je peux avoir une chose en interview après si on gagne. Nice. So it was 2 CS away from 6. C'est pas mal. Je peux prendre la wave très très vite avec la plate. Et après on se casse. Ah, c'est wave canon. Quand même recall, c'est fait de solo kill au mid. Je pote au cas où c'est wardé qui vient nous cancel. De toute façon, c'est une potion chargeable. Ok, on a eu Brice. Je me demande si je rentre pas collector dans mon stuff maintenant en fait, depuis le patch. Le problème c'est qu'il y a que 10 de l'état en fait. Et c'est un bon item pour transitionner sur du crit avec RFCIE. Le problème c'est que c'est compliqué de rentrer Ubris dans ce stuff. Parce qu'en fait, dans l'absolu tu veux 3ème item, un item Arpen. Arpen en pourcentage parce que là j'ai de la létalité donc c'est Arpen flat. Du coup, si je fais ça, ça veut dire que soit je fais pas Yumu, soit je fais pas Collector, soit je fais pas Ubris. En gros, j'ai un item qui saute parce que je veux pouvoir faire un LDR, troisième item, donc que ce soit LDR ou Serilda. Bon, je sais pas trop si Collector c'est un plan quand même. Toujours une bonne transition entre l'étalité et crit, mais... Nice, ils sont top. Ah oh non, c'est parti sur le canon. J'ai
J'aimerais bien la fight, hein, mais j'ai un peu peur de Leona pour l'instant. Je joue sans cleanse en plus, donc faut que je sois quand même doublement prudent. Pas le canon, malheureusement, c'est pas très grave. Je viens de passer 6. Fait trop le beau. Hein. Yumu saute? Non, Yumu c'est must have. Ok, il a pas d'ult. Vu que je fais pas de bot, Yumu c'est vraiment must have. Nice. Belle lecture de jeu, bon pré-shot aussi de ses déplacements. Un peu greedy de Stace. Nice. Bien joué. Bon boulot ce qu'on fait pour l'instant. C'est fini l'arc super vibe? Non non, je vais jouer tout à l'heure. S'il te plaît, va dans la river pour poser une ward. Ouais bien sûr. Vas-y, on va back Spara, bien sûr, c'est déjà wardé, c'était obvious. Tant pis, on lui laisse une ou deux plates, c'est fine. On peut me permettre de stay là. Ouais, Super Vibe, on y jouera ce soir. Là, on fait du LOL, into Coupe des Étoiles, into Super Vibe. Je jouerai probablement pas avec Aldé par contre, parce qu'eux ils vont jouer. En fait, eux ils vont jouer ensemble pendant le cast. Attends, je fais un peu 15 minutes ouvert là. Eux ils vont jouer ensemble pendant que je caste, donc on verra peut-être que. Peut-être que je jouerai avec Sakor quand même s'il est chaud. Normalement il devrait y avoir Katar aussi. Et on verra, au pire je fais des duos. Narcus je crois qu'il voudra faire du LOL aussi après la Coupe des Étoiles. Si tu rejoues, c'est que tu as encore des heures à faire sur le jeu. Quoi qu'il arrive, en gros ce qui a été deal c'est 3 streams de 3 heures. Donc aujourd'hui, enfin hier du coup, aujourd'hui et demain. Mais il y a moins que je joue quand même après l'OP parce que le jeu est vraiment... Ça dépendra un peu de qui est motivé. Vraiment que Santé va venir bot, il pourrait TP. Donc j'ai une ward derrière moi. Rota, nice, ma team elle... Smurf. Ok, parfait ça. Donc probablement de prendre la T1. Ok, j'ai pas la possibilité. Si y a Leona, c'est beaucoup trop risqué. Vu que je joue sans clan, c'est beaucoup trop risqué. Laissez-moi prendre Yumu s'il vous plaît. Ok, je suis super fed hein. Heureusement je peux plus avoir un last whisper. Chaud pour jouer hein. Oh ça TP top.
J'ai... What? J'ai même pas vu que santé, frère. Je suis vraiment endormi là. Lui des autos. Ok, nice. Oh sa mère, ça se voit que c'est la première game. Je n'ai même pas vu que santé jusqu'à ce qu'il me frappe, genre. Le jeu en bêta est pas du ou pas du tout. Supervive, il est en... C'est une démo entre guillemets, donc pour moi c'est un early access, tu vois. Et tu peux considérer ça comme une bêta. Mais bon, tunnel vision, bah c'est surtout que je... Première game, on est toujours un peu moins sharp que... Et après, quand on est un peu plus réveillé. Oh non, le flash. Elle est pas morte. Tristesse. Bon, je donne le shun accenté. Oh, son stuff. Je comprends pas pourquoi depuis la dernière bêta ils ont pas nerf Shriek. Je sais pas, c'est le perso est trop broken, je trouve aussi. Après, l'avantage c'est que quand même tu peux loot play, tu vois le champ, mais après tu peux play un peu tout le monde dans Battle Rite, mais particulièrement ce perso là, mais c'est plus que le reward est beaucoup trop important quand ça connecte. Et c'est pas si dur de connecter. Et on a un flash auto. Je pense qu'elle a un flash. Flash de up, en tout cas elle ne l'a point utilisé. Après je pense qu'elle était dead anyway. Alors si elle flash un peu plus tôt pour pas se prendre l'auto-attaque de Talia, mais à partir du moment où l'auto-attaque était en travel time, c'est bonne chance à tous. Je prends le fast back. Vas-y, on va recall, tout le monde est en train de back. On a Serilda en plus. C'est si bien ça, orgueil sur un range. Quel rapport. Y a pas de... Tu m'as mis le doute, mais y a pas de nerf entre range et melee 1. Même plus simple de prendre des assists sur un range, donc plus simple de stack. D'ailleurs le stack de petit orgueil parce que... Ah, on arame ses nerfs sur les ranges, ok. Le problème c'est contre leur compo, il y a beaucoup de choses, donc je ne peux pas ulti. J'ai l'ulti Gragas, l'ulti Léo. J'étais en train de réfléchir sur est-ce que j'allais R ou pas. Forcé de constater, il y a quand même beaucoup de trucs problématiques. Je suis un peu trop tard. Ils sont pas morts. Mon cube l'a suivi pourtant. What? Heureusement, c'est pas sur le timing Nash. Hein. Ah, j'aurais dû flash, j'ai troll. On va go Edge of Night, Edge of Night va me carry de baiser dans cette game. Il y a le Drake dans 20. Heureusement, ça ne coûte pas trop cher, mais ça aurait pu être catastrophique. Edge of Night va me mettre très très bien. Possible que je rentre un peu d'MR aussi après, genre une mo. On verra, j'ai l'ulti dans 30. Ah, j'ai pas de poutre inquiète malheureusement. Nice.
Ok, nickel. J'ai pris deux stacks. Ou je push la next. Ouais, je peux venir, mais on a besoin d'aide. Hein. Je suis mort, je pense. Oh, mon cuspel a pas fait de dégâts. Je serais mort là. Oh, je peux un peu voler. Je me doutais que j'étais mort. Hein. Plus de flash santé. Après, j'ai vendu quand même chèrement ma peau, mais. Ah, Kaltin aurait dû crever aussi. Un peu volé là. Ça joue full été en ce moment MF, ouais. T'as très bien répondu dans le chat, mais oui, ça a toujours été la meilleure forme de MF, ça a été en full létalité. Juste qu'effectivement, c'était de la merde la létalité avant, et là avec le patch, c'est décent. C'est pas, on est clairement pas au prime de MF. De MF, mais c'est fine, genre. Un peu en train de troller. Ça va être de la perte cette game quand même. Après on reste très bien, on a 6 void, 3 drake, enfin 5, 4 void. Ah, 4 void seulement. Okay. On a 4 void, 3 drake, mais... Edge of Night, Edge of Night me permet d'empêcher l'ulti Eleona ou l'ulti Gragas. Comme j'avoue qu'il y a aussi l'ulti de Vex pour me choper donc. Pas grand chose pour le remove. Flash de up. Santé est problématique hein. Et Caitlyn est vraiment useless pour l'instant. Nice. Pff, je l'ai tellement lu. Parfait, well played. J'ai tellement lu dans les déplacements de Gragas, frère. GG. Nice. C'est une game, guys. J'ai fait 3 pas en avant. Demi-tour à la frame où il a Q. Et du coup, il voulait. En fait, il voulait Q. Il a un instant QR pour me slow avec le Q. Into multi-in, mais. J'avais 3 temps d'avance déjà. Ah, je venais rayonner. Allez, vas-y. Non, un peu tout le monde. Ok, nice.